Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. L'agent pour la sanctification. Number three. L'agent pour la sanctification. Number one is the Holy Spirit. Le premier agent c'est le Saint Esprit. The Holy Spirit. Le Saint Esprit. Let's go to the First Corinthians chapter 12. Allons au 1 Corinthiens chapitre 12. He's the first agent. Le premier agent pour la sanctification. Helping us. C'est lui qui nous aide. Enable us. Qui nous donne la capacité to walk in sanctification, de marcher dans la sanctification, to walk in holiness, de marcher dans la sainteté. 1 Corinthians chapter 12. 1 Corinthiens chapitre 12. I needed to share with us this message. Je voudrais partager avec nous ce message. So that as a Christian, pour que comme chrétien, we must take away this guilt conscience. Que nous puissions ôter cette conscience de culpabilité. Because today we are living as if we are more aware of sin. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus conscients du péché. Of the person of Jesus Christ. Être beaucoup plus conscient de la personne de Jésus. Am I talking to somebody? Our mind, our conscience, notre conscience, notre pensée, most of the time, is focused on what we are doing. La plupart du temps est focalisé sur ce que nous faisons. If I do right or I do wrong. Si nous faisons bien ou mal. But you need to know who you are in Christ. Mais devons savoir qui nous sommes dans le Seigneur. 1 Corinthians chapter 12. Un premier 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13. The Bible says, la Bible dit, for we were all baptized, parce que nous avons été tous baptisés, by one spirit, dans un même esprit, so as to form one body, pour former un seul corps, whether Jew, que nous soyons juifs, or Gentiles, que nous soyons de gentils, slave, ou bien esclave, or free, ou bien libre, we were all given the one spirit, nous avons to été walk with us, remis un seul esprit pour marcher avec nous. Amen. Amen. The Holy Spirit, le Saint Esprit, was given, nous a été donné, so that you may walk, pour que nous marchions, in holiness, dans la sainteté.
As we know, the Old Testament, comme nous le savons dans l'Ancien Testament, the Holy Spirit used to come, le Saint-Esprit venait, for a certain assignment, pour seulement une using a prophet or a man of God, il utilisait les prophètes et certains hommes de Dieu. Whenever the man of God fulfilled the assignment sent by God, et chaque fois qu'il accomplissait le travail, and then gone, et le Saint-Esprit partait. You have an example of Saul. Nous avons l'exemple de Saul. The Spirit of the Living God was upon him. L'Esprit du Seigneur était sur lui. Since he was walking in the disobedience of God, quand il a marché dans la désobéissance, God said, Dieu a dit, I take away my spirit. Je retire mon esprit. We have example like Samson. Nous avons l'exemple de Samson. He was led by the Spirit of God. Il était conduit par l'Esprit de Dieu. He was empowered by the Spirit of God. Il avait la puissance so that he may fulfill the assignment, pour qu'il accomplisse une mission quelconque. To kill the Philistine. Amen. Amen. And remember, je pense, je me because souviens, of I don't know seduction or whatever, he was seduced by that Delilah or Delilah. Pas parce qu'il a été séduit par Delilah. And then they cut his hair, all those stuff. Puis on a coupé sa chevelure. But at the end, mais à la fin, he said, Lord, il a dit, Seigneur, I acknowledge, je reconnais, my weakness, ma faiblesse. Please, s'il te plaît, remember me. Souviens-toi de moi. And the Spirit of the Lord came back upon him. Et l'Esprit du Seigneur a redescendu sur lui. And the Bible says, la Bible dit, the people that Samson killed on that last time, le gens que Samson avait tué ce jour-là, there were many that when he killed while during the his life, étaient beaucoup plus nombreux que ceux qu'il avait tué avant. So in the Old Testament, l'Ancien Testament, the Spirit of the Living God, l'Esprit de Dieu, was coming upon people, venait sur les gens, for certain assignments, pour une certaine mission, and then go, et puis repartait. But as today, mais maintenant nous, maintenant, we are so privileged, nous sommes avant un privilège, we are blessed, Church of God, nous sommes bénis, we are having a Holy Spirit, nous avons le Saint-Esprit. He does not come and visit you. You. But the Bible says, la Bible dit, don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? The Holy Spirit is no longer a visitor, but the Holy Spirit, he got a permanent residence, il a la résidence permanente, coming from the heavenly home of faith. They step it in the body of your life. Et vivre en vous. They say, go to live this body. Il dit, va vivre go là-bas. To grow this body. Va vivre là-bas. Stay there permanently. Reste là en permanence. To lead you in a holiness. Il vous conduit dans la sainteté. And you are holy the way you are sitting et there. Et vous êtes fait comme vous êtes là. Let me call you Saint Josué. Call yourself Saint Josué. Saint José, Saint Kabambi. Call yourself a saint. Saint Carl, Saint Mukombozi, Saint Farah. You see, you can't even call yourself a saint because you are still thinking, Oibagibiki about it. No! Parce que Oibagibiki about it. Amen. Amen. You are afraid of to say you are holy, you are sent. Vous avez peur de dire que vous êtes saint. Because last night, parce qu'il y a hier soir, vous avez beaucoup mangé. That brother is laughing. Is it you? You ate too much. It's not about that. Vous avez beaucoup mangé. Vous you are holy because of Jesus. Vous êtes saint à cause de Jésus. So the first agent, le premier agent, who helped us walk in sanctification, qui nous aide à marcher dans la sanctification, is the Holy Spirit. C'est le Saint-Esprit. That's why, my brother, my sister, mon frère, ma sœur, in God habitation, we need to develop dans l'habitation divine, the relationship with the Holy Spirit. La relation avec le Saint-Esprit. The relationship with the Holy Spirit. La relation avec le Saint-Esprit. The Holy Spirit, le Saint-Esprit, will guide you. Va vous guider. John 16:13. Jean 6, he will lead you in the truth. Il vous conduira when dans la vérité. You are confused, the Holy Spirit will lead you. Le Saint-Esprit vous when conduira. You do not know where to find the way, quand vous ne savez pas comment trouver le before chemin, even you take any decision, avant de prendre une décision, you say, Holy Spirit, I need you. J'ai besoin de guide toi. Me. Open my eyes so that I may see what's happening around me. Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Holy Spirit, Saint-Esprit, assess my Christianity. Aide-moi. Where am I? Where am I going? Où suis-je? Où I do not know where I'm standing anymore. Je suis plus là où I don't even know where I come from. Je sais pas là où I don't je even viens. Know where I'm going, je Holy sais Spirit. Pas là où je vais. But you are the Holy Spirit who lead me. Toi, le Saint-Esprit, tu me conduiras. Lead me. Conduis-moi. When the Holy Spirit is leading you, quand il te conduit, le Saint-Esprit, we can see you are living a life of sanctification. Tu verras que tu vis la vie de sanctification. I say sanctification is a process. Je dis la sanctification est un processus. We are having a position of sanctification. Nous avons la sanctification positionnelle. Now we are progressing with holiness. Maintenant nous progressons avec le Saint-Esprit. With the Holy Spirit. Avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Whenever you are confused, ou que vous soyez confus, Holy Spirit, le Saint-Esprit, he will bring clarity. Il apporte la clarté. Amen.
The Holy Spirit speaks, my brother, my sister, this day. Parle, mes frères, even the small kind of things he speaks. Même dans les détails, il parle, le Saint-Esprit. But the problem is we don't give him a chance to speak. Mais le problème, c'est que nous lui accordons pas la chance de nous parler. Amen. The Holy Spirit, le Saint-Esprit, is a permanent residence in your life. À la présence permanente. As I said earlier, quand je l'ai, comme je l'ai God dit, already dealt with the sin. When it comes to sin, God already dealt with it. Tu as déjà fini ce problème. He doesn't have any problem. Il y a plus de problème avec But ça. When we are led by the Holy Spirit, mais quand nous sommes conduits par le Saint-Esprit, this is good. This le is Saint-Esprit bad. Dit, this ça is bien, good. Ça c'est mauvais. This is good. Mauvais. This is bad. Ça c'est bien, ça c'est mauvais. Am I talking to somebody? Amen. If you are led by Holy Spirit, quand nous sommes conduits par le Saint-Esprit, you allow Holy Spirit to take over your emotions. Il permettra que le Saint-Esprit prenne contrôle you de vos emotions. You'll never sadden him. I want to tell the church today. Il faut pas l'attrister. If you reach the point, si vous atteignez un point where when the Holy Spirit is telling you this is bad, où le Saint-Esprit vous dit que ça c'est mauvais, you resist, mais vous résistez, something's wrong. Quelque chose ne va pas. Something's wrong. Quelque chose ne va pas. And especially when you are surprised. Écoutez, quand vous êtes surpris, somewhere, somehow, quelque part, you were not very connected to the Holy Spirit. Vous n'avez pas été connecté avec le Saint-Esprit. You are surprised. Even your dress code, the Holy Spirit can tell you. Même par la façon de vous habiller. My daughter, le Saint-Esprit peut the vous way dire, you dress like this, ma fille, ta façon de t'habiller, it does not show that you are holy. Cela ne reflète pas la sainteté. Would you mind change it? Est-ce que tu peux changer? My brother, mon frère, my son, mon fils, why are you taking this suit today? Mais pourquoi tu prends? You want to show people that this is the new suit? Pourquoi tu portes ce nouveau costume? Leave this one, take this one. Abandonne ce costume. Celui-là. I don't know about you. That's why the Holy Spirit speaks je to me. Je sais pas pour vous, mais even the small things, Mama Vivi, the Holy Spirit will lead you. Le Saint-Esprit vous enseigne. My daughter, ma fille, don't take this bus. Ne prends pas ce bus. Wait. Attends. Let it pass. Take the next one. Prends le prochain. My son, mon enfant, don't call. N'appelle pas. Take it easy. Apaise-toi. I'll deal with it myself. Apaise-toi. Apaise-toi. The second agent of sanctification. Le deuxième agent dans la sanctification. The first one I said who? Le Saint-Esprit. Holy Spirit. Le deuxième agent. The second one is the Word of God. Le deuxième agent dans la sanctification, c'est la parole de Dieu. John chapter 17, verse 17. Jean chapitre 17, verset 17. Don't worry, I'll break down very soon. Ne vous en faites pas, on va terminer maintenant. John 17, 17. Jean chapitre 17, verset 17. Listen what the Bible says. La Bible dit. This is a prayer of Jesus. C'est la prière de Jésus. Right? Okay. Jesus prayed for his disciples. Jésus prie pour les disciples. Sanctify them. Il dit sanctifiez-les. By the truth. Par la vérité. Your word. Ta parole. Is true. Et la vérité. Sanctify them. Sanctifie-les. By your word. Par ta parole. Oh my goodness. The second agent of sanctification, le deuxième agent dans la sanctification, is the word of God. La parole du Seigneur. Let me tell somebody, as you are listening to this word this morning, this evening, you are already sanctified. When you listen to the voice of God, quand vous écoutez la voix du Seigneur, you are sanctified. Sanctifié. You see, I'm challenging your mind tonight. Voyez, je suis en train de lancer un défi. Because when pensée, we talk about sanctification, quand on parle de sanctification, voyez, tout un conteneur de péché. No. No. Yeah, I like that container of sins. J'aime cela, container de péché. Container. Are you going to carry container of the sin? No, man. Peux-tu contenir, transporter un container de péché? The second agent. Le deuxième agent of sanctification. De la sanctification. Is the word of God. C'est la parole du Seigneur. We are sanctified, my Nous brother. Sommes sanctifiés. By the word of God. Par la parole du reason Seigneur. Why? La raison pour laquelle. As a church, comme église. Let's emphasize, implement. Give importance with the word of God. Mettons l'importance sur la parole de Dieu. Am I talking to somebody? The more you hear the word of God, plus vous écoutez la parole du Seigneur, whatever like evil thoughts, evil mind, toute pensée négative, toute pensée the mauvaise, word of God will do it. We clean it up. La parole du Seigneur chasse cela. We purify it. Purifie cela. Am I talking to somebody? Est-ce que je m'adresse when à you quelqu'un? Feel like I want to hate this sister, I hate Quand it, tu dis I hate je voudrais haïr cette sœur. The word of God will say, you know what? Love your neighbor la parole dit, mais non, as you love yourself. Aime ton prochain comme you are sanctified. Tu es sanctifié. I feel like giving up. J'ai envie d'abandonner. The word of God that you planted in your life.
Mais la parole de, du Seigneur en toi. He said, listen, my son. Viendra te dire, mon enfant. Isn't it I said to you? J'ai pas dit. I'll never forsake you. Okay, je t'abandonnerai I'll jamais. I'll never abandon you. Je te laisserai jamais. Am I talking to somebody? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Once you listen to the word of God. Quand tu écoutes la parole du Seigneur. We are sanctified. Nous sommes sanctifiés. That word in us. Cette parole à nous. It will help enable us. Nous aide nous capacité. To walk in sanctification. Nous donne la capacité de nous sanctifier. In holiness, nothing else. Rien d'autre. Am I talking to somebody? Je m'adresse à quelqu'un. This is assignment I'm giving us, my brother. C'est un devoir que nous donnons ce That's soir. What I'm developing before this year end. C'est pourquoi nous devons. I say, Lord, help me. Je dis, Seigneur, every single moment. Chaque moment. Every single time. Chaque heure. When I'm with somebody. Quand je suis avec quelqu'un. Open my ears. Ouvre mes oreilles. I want to hear your mind tonight for my life. Je voudrais écouter ta pensée sur moi. That's why I have to choose. C'est pourquoi je dois choisir. What kind of talk we're gonna have? Qu'est-ce qu'il faut discuter? What kind of meeting we're gonna have? Quel genre de conversation? When I'm free, quand je suis libre. What kind of program I need to watch? Quel programme je vois? I need to make sure. Je dois être certain. That I feed my spirit. Que je nourris mes pensées. With the word of God. Avec la parole du I Seigneur. I go to YouTube. Je vais sur YouTube. I choose any message. Je choisis n'importe I quel message. I need to make sure. Je dois choisir. That I'm fed by the je word dois of être God. Certain que je suis nourri Because la parole de Dieu. Because when the word of God is within me. Quand la parole est à moi. It's going to lead me in sanctification. Elle me conduira dans la sanctification. Simple as that. Simple, there is no miracle. C'est aussi simple que ça. I was discussing with one of my friends. Je discutais avec un de mes frères. When mes I was amis, dropping at the airport today. Qui m'a déposé à l'aéroport aujourd'hui. He said to me, I was so blessed. I was when I was preaching at home cell on Wednesday. J'étais béni quand j'étais à la He said, à Pastor. Je dis, Pasteur. You know what? C'était quoi? There are some books me I never even read it in the Bible. Livre que I said, which one? Dis, he said, Genesis. Genèse. I said, ah, you never read the book of Genesis. T'as I said, yes. Dis, oui. Ah, but I heard the message Mais people are preaching about Genesis. J'ai entendu le message de Genèse. J'ai dit, hey, il y a des gens, il y a certains books dont tu ne peux même pas lire. C'est vrai ça. But when I was sharing the word, quand je partageais, suddenly, soudainement, Genesis chapter 1, verse 26, 27, come in my spirit. Genèse 1er, 26, 27 est arrivé. I start to talk about how God blessed the man and so on. J'ai commencé à parler comment Dieu a béni l'homme. He said to me, il m'a dit, he said, Pastor, Pasteur, you know the revelation that I had? Vous savez la révélation que j'ai eue? Genèse 1, 26. Genèse 1, 26. God, after creating man and woman, Dieu après avoir créé l'homme et la femme, he blessed them. Il les a bénis. In other words, en d'autres termes, God, Dieu, bless already us. Il nous a bénis. Yo, for me, it's like I don't need to pray for my blessing. Pour moi, cela veut dire que je peux plus Because God already blessed me. Parce que Dieu nous a déjà béni. What I have to do, ce que je devais faire, I just want to say, Lord, by my faith, je dis, I want to activate my blessing. Je voudrais activer ma bénédiction par la foi. I say, wow. Je dis, wow. We were sharing. Partageons. He was blessed. Il était and béni. I was also blessed. J'étais aussi béni. I say, wow. Je dis, wow. I told him something. Je lui dis quelque chose. I said that is the assignment that we need to have as a Christian. C'est l'ambition que nous devons avoir every single day. Chaque jour. Make sure. Soyons certains. You have a word. Nous avons une parole. That planted in your spirit. Plantée dans notre pensée. In your life. Dans notre vie. So that. Pour que. When you meet somebody. Pour que nous soyons. Having a problem. Quand nous avons quelqu'un avec the un problème. The word that you have in your life. La parole que nous avons en nous. It will come out. Cette parole viendra sur nous. We only give what we have. Nous pouvons que donner ce que nous avons. Am I talking to somebody? Amen. We only give what we have. Nous pouvons donner ce que nous avons. If there is no word in your heart, s'il n'y a rien en vous, and somebody comes to tell you about a problem, vient te dire what are you going problème, to tell him? Tu vas donner quoi? Mi boma kaka frère. Oh, mi boma is written where? Où c'est écrit ça, mi boma? Just suicide, kill yourself. No. No. You tell him, my friend. Take it easy. Mon frère, God is at work. Toi, Dieu est au contrôle. God is taking care of everything. Dieu est au contrôle de tout. That is the seed. C'est ça la semence. So the agent of the sanctification. L'agent de la sanctification. Is the word of God. La parole du Seigneur. We are sanctified. Nous sommes sanctifiés. And the last agent. Et le dernier agent. It's our God. C'est notre Dieu lui-même. God the Father. Dieu le Père. He sanctifies us. Il nous sanctifie. In eternity. Dans l'éternité. Amen. Amen. The last part, the last point I want to talk before le we finish. Point pour how lequel to grow je in sanctification. Avant de terminer, comment marcher dans la sanctification. How to grow in sanctification. Comment grandir dans la sanctification. In addition to empowering us by His Spirit, His Word. Par-dessus les marchés, les paroles, la parole God Seigneur, has given us Dieu nous a donné other tools d'autres clés to grow in our sanctification. À utiliser dans la sanctification. Number one, reading the word of God. Numéro un, il faut lire la parole de Dieu. Studying the word of God. Il faut étudier la parole de Dieu. Being taught. Il faut être enseigné. By the word of God. Par la parole du Seigneur. It will enable you. Cela nous permettra. To better understanding. Pour une meilleure compréhension. Who God is.
qui Dieu est, what he has done for qu'est-ce qu'il us, a fait pour nous, how he calls us to live, comment est-ce qu'il nous a appelé à vivre. Number two, numéro deux, how to grow in sanctification, comment grandir dans la sanctification. Praying, il faut prier, praying, express our faith, prier, exercer notre foi. Number three, numéro trois, fellowship with others, la communion avec les autres, fellowship other believers, la communion avec certains croyants. It will encourage you, cela va nous encourager, to put our faith, de placer notre foi, into practice, en pratique, by loving, en aimant, bearing with one another, en nous acceptant les uns les autres. Fellowship, my brother, la communion fraternelle. Every time we are together, chaque fois que nous sommes ensemble, we are sharing, nous partageons, we are praying each other, nous prions. It helps us to grow in our sanctification. Cela nous aide à grandir dans la sanctification. I think on Sunday I'll talk about it. It's not good for the man to be alone. Le dimanche je parlerai sur ça. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. It's not good for the man to be alone. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. I'm not going to talk about marriage, but just come on. Je ne parlerai pas du mariage. Fellowship, la communion. Another point, en d'autres termes, sharing the gospel with others, partager l'évangile avec d'autres. It will bring us in joy. Cela nous amènera la joie. Amen. Amen. Sharing the gospel. Il faut partager l'évangile. How are you going to share if you do not have? Comment vas-tu partager si tu n'as pas? You're going to only share when you have. Tu ne peux partager que ce que tu as. Amen. Amen. It's going to help us to what? C'est to là, grow in sanctification. À grandir dans la sanctification. Amen. 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 My brother, my sister. Mon frère, ma sœur. Sanctification. La sanctification. We are sanctified. Nous sommes sanctifiés. In Jesus Christ. En Jésus Christ. We are sanctified. Nous sommes sanctifiés. In Jesus Christ. En Jésus Christ. We are saints. Nous sommes sanctifiés. We nous are holy. Nous sommes saints. A question might be. La question. Brother Jonathan. Hebrews chapter 12 verse 14. Frère Jonathan, Hébreux 12 14. Les gens disent sans la sanctification personne ne verra le Seigneur. That was must be your question. Ça n'est pas une question. You will see God. Tu verras le Seigneur. Amen. You are in Christ, heaven is already done. En Christ, for you. Le ciel est assuré. But as we are living on earth, même quand nous vivons sur la terre, we just have to portray, nous devons to manifest, manifester the life of Christ, la vie de Christ. Amen. Amen. When the Bible says without holiness, quand la Bible dit que sans la sanctification, nobody will see the Lord, personne ne verra le Seigneur. In other words, en d'autres termes, you just have to receive to respect those processes I taught you. Vous devez respecter les processus que je vous ai montré. It's not like if you are not walking in holiness, il n'est pas dit que si vous ne marchez pas dans la sainteté, you will never see God. No, tu ne verras pas le Seigneur. In other words, en d'autres termes, if you are not growing in sanctification, si vous ne croissez pas dans la sanctification, there are some of the benefits you won't experience it. Il y a certains bénéfices que vous n'avez pas expérimenté. You won't experience the hand of God. Vous n'avez pas expérimenté la main du Seigneur. Not like you won't see God in last time. No. Il n'est pas dit que vous ne verrez pas le Seigneur. Non. Am I clear? Is it clear? Hein? Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Frère, il faut banga nzambe. Sinon, tu romans nzambe te. Isa bongo te frère. Na banga nzambe den. It's not about that. It's about growing in sanctification. Il s'agit de grandir, living the life of holiness. Vivre la vie de la sanctification. Let the word be shaping your character. Que la parole transforme. Let the Holy Spirit lead you. Que le Saint-Esprit te conduise. If you do not do that, si tu n'as pas fait cela, then ainsi, your life is the same, like you are not yet born again. Ta vie n'est pas différente. That is the meaning of this verse. C'est ça le sens de ce verset. Is it clear, né? So we don't want this message intimidating people about sin. Nous n'avons pas besoin de ce message qui intimide les gens sur le péché. If you do this, no, it's not about doing. C'est pas ce qui concerne faisant ou ne pas faire. It's about. Il s'agit. It's like I was counseling one of the guy. J'étais en train de conseiller quelqu'un. He said, Pastor. Et j'ai dit, Pasteur. You know what? Vous savez quoi? I wanted to get baptized. I wanted to be baptized. Je voudrais être baptisé. But mais I find myself, je me suis retrouvé moi-même HIV positif, avec l'HIV positif. But now HVS. I don't know. My husband does not know. Mais maintenant, je ne sais pas parce que mon mari n'est pas au courant I de cela. I feel so bad. J'ai I don't know what to do. La culpabilité, que faire? God is away from me. Dieu est loin de moi. I want to kill myself. Je voudrais me suicider. There are issues and issues, eh? Il y a des problèmes sur problèmes. You know what I told him? Vous savez ce que je lui ai dit? Number one, Jesus loves you. Numéro un, Jésus t'aime. You are sanctified. Tu es sanctifié. But use your wisdom. Mais utilise ta By sagesse. By the way, he is your husband. De toute façon, c'est son mari. How did you get it? Comment tu as eu cela? He told me about he was raped, all those stuff. Il m'a dit qu'il a été violé, molesté. But I said, Jesus loves you.
Mais je le dis que Jésus t'aime. But the wisdom is what? Mais la sagesse c'est quoi? Speak to your husband. Il faut en parler à ton mari. And then you need his support. You need his support. Et tu auras son soutien. Amen. Amen. So you can feel like the person was so like, hey my goodness, what must I do? I want to see God. Tu peux voir un homme désespéré, mais you'll see God. Je dis, tu verras le Seigneur. But listen. Écoutez. I think I shared with you that last time. Je crois que je vais partager avec vous la dernière fois. Mistake, we do it. Nous commettons des erreurs. But from the mistakes. Mais à partir de l'erreur. We need to learn. Nous devons apprendre. Amen. Amen. Church of God. Église du Seigneur. This is all about sanctification. Il s'agit de la sanctification. Is anybody was blessed? Est-ce que quelqu'un a été béni? Do you understand what sanctification means? Est-ce que vous comprenez ce que veut dire la sanctification? We do not want to walk in the sinful conscience. Nous ne devons pas marcher dans une culpabilité de péché. Everything we see is sin. Tout ce que nous voyons, péché, péché, péché. It brings you to prison. C'est là, tu ramènes en prison. But the Bible says, when the Son of Man sets you free, you are free. La Bible dit que si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes libre réellement. By saying so, my brother, my sister. En disant cela, we are not encouraging people to go and sin. On n'encourage pas les gens à vivre dans les péchés. But we want to tell the church. Nous voudrons dire à l'église. Jesus sanctified you. Jésus vous a sanctifié. Because of His blood. À cause de son sang. And then you had to walk. Ainsi, marchons. And work. Et travaillons. On your sanctification. Dans la sanctification. Because it's a process. Parce que c'est un processus. Amen. Amen. Any question? Est-ce qu'il y a une question à poser? I'm give us 5 minutes. Je vous donne 5 minutes que chacun pose la question. I know it's not usual, but it's a teaching. If somebody has a question. C'est une étude biblique, alors on vous permet de poser la question. Si c'est ce qui a été dit ce soir. Feel free. Une question. Qui peut poser la question? 2 minutes or 5 minutes. Any question? Yes, Brother Jonathan. Any question? Apôtre Tony, any question? Sister Olga, no question. My brother, any question? So we understood. Oh, thank God, the Beneza students, they are very clever. Oh, thank you, I'm so blessed. Amen. All right, we are at the end of our service. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Sunday, I'm going to talk about it's not good for the men to be alone. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Le dimanche, on va parler sur il n'est pas correct que l'homme soit seul. Don't miss it. Ne ratez pas cela. Amen. Amen. Good. Merci. I'm done. On a acclamé. Can we stand and pray? On peut se mettre debout et puis prier. Praise the living God. Gloire au Dieu vivant. Somebody was blessed. Quelqu'un a-t-il été béni? Okay, I want us to pray. Je voudrais que nous prions. As we are praying, comme nous prions, we'd like to thank our brothers and sisters who are connected. Nous voudrions remercier nos amis qui sont thank you so merci, much for merci, being connected merci, at merci d'être connecté. Ebenezer Bedford View Christian Community Center. Please don't miss on Sunday. Ne ratez pas le dimanche. 8 to 10. De 8h à 10h. Okay? You will be brutally, scandalously blessed. Vous serez brutalement, scandaleusement béni. And second service, if you are French speaking, deuxième service, si vous parlez en français, half past 10 to half past 12. Partie de 10h30 à 12h30. God bless you, but if you want to support this ministry, que Dieu vous bénisse, please don't hesitate. Our banking details on the screen. Nous avons notre compte bancaire qui. We need you. Film. We need your support. Nous avons besoin de vous. We need your chelete. Nous avons besoin de votre argent. We are preaching for free. Soutenez-nous dans votre but ministère. To get where you are, we need chelete. On a besoin de l'argent. To bring that gospel to people. Pour apporter l'évangile aux gens. To reach many. Pour atteindre amen. Beaucoup God bless de you. Que Dieu vous bénisse. Church, as we are here, Église I want us to pray. Je voudrais que nous prions. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Lève-toi et prie. Start to thank God.